Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage sentimental pour le mois d'avril 2020 pour le signe. Bon, il m'en reste 4. Allez, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Allez. Ah, ça veut pas, ah, ça y est. Allez, pour le signe des lions. Allez, c'est parti pour vous mes amis lions. Allez, bon, déjà ça commence bien, on a la roue de la fortune, le changement qui arrive pour vous pour ce mois d'avril, pour le sentimental. Il y a des choses qui arrivent, des bonnes choses qui arrivent pour vous. Comme on dit, la roue, elle tourne. Allez, on va procéder à la coupe pour ce tirage sentimental. Nous avons l'examen, la réussite, c'est le oui, et on a l'amitié. Donc là, peut-être que, alors pour certains et certaines, hein, Lyon ou Lyon, peut-être que vous avez autour de vous un ami qui tourne autour de vous. Peut-être, ça peut être ça pour cette coupe. Ou là aussi, alors qui n'a rien à voir avec dans le domaine sentimental, mais une coupe reste toujours importante, peut-être que vous avez un ami proche de vous, attend une réponse et la réponse sera oui. Alors ça peut être un examen, ça peut être, bon c'est sûr avec le confinement, tout ce qui est administration s'est bloqué, mais en tous les cas, il va vous apporter des bonnes nouvelles, hein, d'accord ? Mais ça peut être autour de vous quelqu'un quelqu'un de proche, si c'est dans le domaine sentimental, qui peut vous draguer, qui a peut-être des vues sur vous. Allez, on y va, j'en tire 15 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors j'avais celle-là en premier, on va la mettre en premier. 13, 14 et 15. Allez, on y va. Alors, comme d'habitude, s'il y a des cartes négatives, je les recouvre. Cartes positives, je ne recouvre pas. Allez, on y va. On va commencer par la première. Je pense que vous les voyez à peu près toutes. Non, peut-être pas. Mais de toute façon, je vous les montre, hein, vous inquiétez pas. Alors, nous avons la carte de la fatalité. Alors, pour vous, mes amis lions, il y a une situation qui va prendre fin. La carte de la fatalité, c'est une situation, vous voyez, où on dit stop. Alors, peut-être que, justement, pour celles et ceux qui sont dans une relation, on va dire, un peu toxique, là, vous prenez la décision. En plus, on sait que le lion, il est très franc, il est très cash. Alors, cash dans le sens... cash dans la franchise, hein, vous tranchez vraiment vite. Vous c'est pas que vous ne réfléchissez pas, mais dans votre tête, quand c'est stop, hein, vous êtes comme ça. Et là, pour vous, mes amis Lyon, vous avez une situation qui va être tranchée, hein, d'accord. Il y a la fin d'une situation, et parce que ça vous mettait, vous en avez marre. Les Lyons, là, pour ce mois d'avril, sentimentalement, alors pour certains et certaines, hein, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, et là, vous voyez, on a cette santé, là, qui est là, cette carte de la santé, donc que ce soit physique ou psychologique, vous en avez, on voit, vous voulez mettre un terme à tout ça, vous en avez ras-le-bol, peut-être d'une situation, justement, qui bloquait, et justement, vous avez envie que ça se débloque, donc vous mettez un terme, peut-être terme à une relation, hein, terme à une discussion, terme à tout blocage, ou terme où vous voulez vraiment changer et avancer. Et là, on vous apporte le cadeau. Vous voyez, le cadeau, c'est deux mains du ciel. Donc, quelque chose qui va arriver pour vous, pour ce domaine sentimental. Alors là, nous avons la carte de trahison. Donc, justement, peut-être que vous êtes dans une relation, pour certains et certaines, où alors, ça peut être soit relation triangulaire, soit relation avec une personne qui, comme je vous l'ai dit, peut être toxique pour vous. Mais on voit que vous voulez trancher, on voit que vous voulez avancer. Mais on vous dit de faire attention... parce qu'il y a de la trahison derrière vous. Alors, soit c'est la personne avec qui vous étiez ou que vous êtes et vous voulez prendre fin à cette situation-là, parce que la personne vous a trahi. Soit on vous amène comme un cadeau du ciel, on vous amène une réponse parce que cette personne-là vous a trahi, on vous l'apporte, hein, des gens autour de vous, vont vous révéler des choses. Mais faites attention aux personnes autour de vous quand même, il y a de la trahison dans l'air. Bon, par contre, on a des projets. Vous avez peut-être eu des projets avec cette personne-là. Peut-être que vous allez avoir des projets, le fait de stopper tout, ça va vous faire avancer. On a cette carte de la victoire. Donc, vous voyez, les projets que vous avez en tête vont se réaliser. Vous avez la réussite dessus. On a une naissance. Donc, peut-être, comme je vous le disais, vous mettez fin à une situation. Mais, justement, vous mettez fin à une situation pour repartir sur de bonnes bases. Alors, peut-être que, justement, vous en avez ras-le-bol. Alors, ça ne veut pas dire rupture définitive, hein. Peut-être que, justement, vous... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce qu'on ne les voit pas très bien. Peut-être que, justement, vous voulez redémarrer quelque chose et vous stopper. Peut-être que vous allez devoir changer des choses parce que des choses pas bonnes et vous allez les remettre en place.
En tous les cas, il y a une naissance. Alors, pour d'autres, à Million et Lyon, peut-être que vous allez apprendre une naissance. Peut-être que vous allez avec... Si le couple va bien, il y a peut-être une naissance qui va être faite, en tous les cas. Alors là, on a des nouvelles. Donc, vous allez peut-être apprendre une naissance. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle relation. Vous avez mis stop à une relation et hop, vous repartez sur bonne base et vous êtes en communication avec cette nouvelle personne. Là, on a une réconciliation, on a un compromis. Donc, peut-être que justement, vous mettez terme à une situation d'une relation. Alors, ce n'est pas nécessairement, vous mettez terme complètement à la relation. Peut-être que justement, vous mettez terme à des choses que vous en avez ras-le-bol et alors que vous allez discuter avec la personne, vous dites « stop, basta, tu vas te calmer ». Peut-être que la personne est jalouse et ça vous agace de plus en plus et vous en y perdez votre santé. Et là, on voit qu'il y a un compromis, il y a un accord qui va être signé. D'accord ? Et là, on voit que vous êtes quand même soutenu par la famille. Hein. On voit bien que la famille est solidaire avec vous. Et on a cette carte de fécondité. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, il y a la naissance ça peut être la naissance d'un bébé, peut-être la nouvelle naissance d'une relation. Et pourquoi pas, vous sentez mieux avec cette nouvelle personne. Ou pourquoi pas vous redémarrer avec cette personne-là, étant donné que vous avez été cash et ferme. Et voyez, on vous dit, de toute façon, le lion, il est droit. Hein. Vous êtes cash, vous êtes droit dans vos bottes. Donc là, vous vous dites, ok, j'avance. Mais en tous les cas, moi, je suis droite. Je vais mener mes projets que j'ai. Voyez, les projets. On voit que vous voulez avancer, hein, mes amis lions. En tous les cas, vous avancez, vous ne reculez pas. Là, vous en avez marre, justement. Et voyez, on a cette carte de la jalousie. Donc, peut-être que, justement, il y a des personnes autour de vous jalouses. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est très jalouse. Donc, vous mettez un terme. Ou soit, vous mettez les poings sur les tables, enfin, sur la table. Et en tous les cas, là, on voit qu'il y a de la jalousie concernant cette relation, concernant aussi peut-être des problèmes d'argent. Mais on voit qu'il y a quand même de l'attirance. Alors, honnêtement, dans ce tirage-là, il y a un peu de tout, mes amis lions. On va commencer par les célibataires. Alors, mes amis célibataires, c'est vrai que c'est un petit peu... on va recouvrir déjà, je vais recouvrir les cartes. C'est un petit peu, on va dire, ambigu. Enfin, ambigu, peut-être pas pour vous, mais pour les gens qui sont autour de vous. Pourquoi ? On voit que, moi, ce tirage-là, il me dit, je ressens que vous avez envie d'avancer. Et on voit que le signe du lion, il est battant, il est combattant, donc il ne baisse jamais les bras. Mais là, on voit que vous voulez mettre un terme à une situation. Alors, c'est pas. Alors, pour certains, peut-être mettre un terme à une relation. Pour d'autres, peut-être mettre un terme à une situation de jalousie, de trahison. Vous allez remettre les choses au clair, vous voyez, avec la personne. D'accord ? On va recouvrir la jalousie, on va recouvrir la santé, on va recouvrir la trahison et on va recouvrir la faim. D'accord ? Alors, la fatalité, c'est quoi ? La fatalité, vous voyez, c'est... On a la carte du boomerang. Donc, pour certains et certaines, vous voulez mettre un terme par rapport au passé, par rapport à la situation qui a été faite avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être que, justement, il y a eu embrouille par rapport à la jalousie ou quoi. Et donc, là, vous mettez stop, là. Vous dites stop, 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 c'est bon, on avance. On ne parle plus du passé, on avance. D'accord ? Donc, vous voyez, je vous dis, c'est pas négatif, négatif. Là, regardez, on a cette jalousie, on a cette carte d'enfermement. Donc, soit c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux, et ça vous bouffe de l'intérieur, hein, vous voyez, on avait la carte de la santé tout à l'heure, ou c'est la personne qui, justement, est trop jalouse, et ça vous bouffe de l'intérieur parce que ça vous agace. Et vous voulez mettre fin, terminer à cette relation, ou mettre fin à cette situation. OK ? Ensuite, sur la santé, là, tellement que ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous mine, vous voyez. Donc, on vous dit de parler avec la personne. Vous allez parler, hein. C'est vous, je vous dis, vous allez mener le combat. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et la trahison, on voit que vous avez été trahi pour certains et certaines lionnes et ça vous a rendu instable. D'accord ? Vous êtes très nerveux, ça vous a rendu très nerveux. Ok ? Donc là, en résumé, je vous dis franchement, mes amis célibataires lions, il y a une situation qui vous a peut-être beaucoup qui vous a perturbé par le passé et vous ne voulez plus la subir, chose qui est tout à fait normale. Mais on vous dit, deux, vous allez rencontrer une personne, ça c'est clair et net, il y a une naissance, il y a la fécondité et tout. Mais on vous dit de faire attention à cette personne-là. Soit qu'elle a un problème de jalousie, soit c'est vous qui avez un problème de jalousie, donc il va falloir communiquer.
D'accord? Il peut y avoir aussi, la personne peut avoir des problèmes d'argent. On va recouvrir la carte de l'argent parce que la carte de l'argent, elle est au centre, mais elle n'est pas si négative que ça. Vous voyez, c'est que vous allez beaucoup, vous voyez, elle n'est pas négative. Mais je voulais quand même la recouvrir. On a cette carte magique. Donc, la carte du miroir magique, c'est vraiment tout ce qui est lié au cerveau psychologique. D'accord? Donc, peut-être que vous posez beaucoup de questions dans votre relation concernant peut-être le financier. Ça vous mine. Vous voyez, ce problème, peut-être que vous voulez mettre stop à, concernant l'argent, la personne, elle est dépensière. Et ça vous mine, ça vous ruine la santé, ça vous ruine peut-être aussi financièrement. Donc, voilà. Et ça vous agace. Mais vous allez mettre un terme à tout ça. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour vous les célibataires, que ce soit pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pour celles et ceux qui sont en couple ou que ça ne va pas dans le couple, où il y a la triangulaire, où il y a le retour de l'ex, ça c'est vraiment général, il y a de tout dans votre tirage. Mais pour résumer, pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne qui aura peut-être un problème d'argent, peut-être un problème de jalousie, peut-être un problème de communication. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y a la victoire, il y a la naissance, il y a ce cadeau de la vie, il y a la fécondité, mais il y a quand même ce côté trahison. Peut-être que cette personne-là est aussi menteuse ou menteur. Donc, mais vous allez stopper ça, d'accord? Vous allez, n'oubliez pas la carte de la fatalité. Alors, c'est soit que vous rencontrez cette personne-là et au bout d'un mois, deux mois, vous la supprimez, vous la dégagez, ou sinon vous lui laissez une chance, mais vous parlez, vous stoppez tout ça. Ok? Pour celles et ceux, c'est pareil, qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est une belle histoire, hein, ça je ne le nie pas, parce qu'on a quand même la naissance, la victoire, on a le compromis, la réconciliation quand même, il y a des choses qui se font, on a cette droiture, mais on a ce côté instable, trahison, on a ce côté jalousie, peut-être un problème d'argent, et vous, ça vous mine la santé. Donc il va falloir communiquer. D'accord? N'oubliez pas, nous avons la carte de la parole. Pour celles et ceux qui sont en couple, pareillement, vous allez mettre un terme à ces problèmes et vous allez discuter. Vous, encore les couples, vous avez quand même des projets. Bon, les célibataires aussi, celles et ceux qui viennent de rencontrer une personne. Mais vous, les couples, où ça va bien, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous tracasse. Soit la personne est trop jalouse, soit c'est vous. Il y a quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. Ok, pour celles et ceux qui, eux, leur couple, ça ne va pas du tout, là, on vous dit, basta, c'est bon, vous en avez marre, vous partez. Vous partez et quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de problème parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, il y aura une naissance, il y aura la naissance d'une relation, il y aura une... Voilà, il y a quelque chose de bon qui arrivera par la suite. Mais là, vous allez régler un problème, d'accord, pour ce mois d'avril 2020 dans le domaine sentimental pour vous, mes amis lions. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, pareil, soit que vous avez peut-être envie de quitter cette relation qui vous bouffe. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas décidée. Peut-être que la personne, justement, elle vous ment. Peut-être que vous vous dites, elle vous a trahi. Elle vous dit qu'elle vous aime. Alors, je ne veux pas dire qu'elle ne vous aime pas, mais elle peut-être vous a dit, oui, je t'inquiète pas, je vais quitter ma femme ou je vais quitter mon homme, t'inquiète pas. Et vous voyez que ça vient pas et vous voulez mettre un terme à cette situation-là. D'accord? Et pour celles et ceux qui attendent le retour d'un ex, il y a bien une réconciliation parce qu'on a la carte du compromis. Il y a bien un retour de cette personne-là. Pour vous, vous l'acceptez comme un cadeau, vous qualifierez ça comme un cadeau du ciel. Mais quand la personne va revenir, vous allez mettre quand même les choses au clair. Vous allez dire, ok, c'est bon, ton problème de jalousie, tu te calmes. Ok, c'est bon, ton problème d'argent, j'espère que c'est résolu. Vous allez beaucoup parler. D'accord? Mais en tous les cas, vous avez la carte de la victoire, la naissance, donc... En fait, vous avez, les lions, vous avez un super tirage. Honnêtement, hein, ce n'est pas négatif. Cette carte de fatalité, c'est vous qui allez prendre en main les choses. Et comme on sait que les lions, bon, signe de feu, mais vous êtes un signe où vous allez vraiment, vous allez franco. Là, vous allez vraiment franco parce que vous en avez ras-le-bol. D'accord? Il y a une très belle relation hein, pour celles et ceux, que ce soit les célibataires ou celles qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais vous allez régler une situation que ça va vous peser, ça va vous miner. Et vous, ça va être cash. Ok? Donc voilà, mes amis lions et lionnes. J'espère que ce tirage, en tous les cas, vous aura parlé. En tous les cas, moi, je vous dis au mois prochain. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Regardez, on a là... En plus, vous avez cette chance. Hein, en d'autres decks, il y avait... C'est vrai que je le dis toujours à la fin, mais il faudrait que je vous la montre avant. La carte du dos deck. Donc, vous voyez, c'est cette chance. Donc, vous avez cette chance de rencontrer quelqu'un, mes amis célibataires lions. Pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous avez cette chance, hein, mais vous allez enlever du négatif là, hein, concernant une personne, concernant sa situation, peut-être une addiction, voilà, vous allez stopper tout ça et vous allez, franchement, la relation est bonne parce que vous voyez, on vous offre cette chance là.
Donc voilà mes amis, je vous fais plein plein de gros bisous. Surtout prenez bien soin de vous, restez bien chez vous pour celles et ceux qui peuvent. Bon courage et merci à celles qui travaillent pour nous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis au mois de prochain, donc on sera au mois de mai 2020. Ciao, ciao!